Bonjour, bonjour. Donc là, on va partir de Bivio pour aller vers le Liechtenstein, Vaduz. Donc hier, on a juste à côté de l'hôtel, il y avait des bornes EVPass. Et sur le site, c'était écrit qu'elles avaient des soucis. Donc j'ai testé les bornes AC et en effet, j'ai pas réussi à charger. Du coup, borne rapide, et puis là, ça a été. Donc là, on est plein à 100%. Donc ça va aller. Il fait 8 degrés, donc un peu un choc thermique là. Entre hier, il faisait 20, plus de 20 au Tessin. Et là, ça fume, là, on voit pas, mais ça fume. Et là, il fait 8 degrés. Donc je suis encore en t-shirt, j'ai un peu froid. Et donc là, bah, on a mis le CH, vu qu'on va au Liechtenstein. Et aujourd'hui, ça va être une journée courte, entre guillemets, il y a 3 h 30 de route. Par contre, on va visiter le village de Heidi. Heidi, pour ceux qui connaissent. On verra ce que ça donne. Et puis, bah, j'essaierai de vous faire quelques images. On a 3 ou 4 points Tour of Switzerland à prendre en photo. Enfin, qu'on veut prendre en photo pour voir. Par contre, la météo est plus trop avec nous vu qu'il pleut. Allez, sur ce, à plus tard. Normalement, on n'a même pas de recharge à faire, on arrivera directement à l'hôtel. Et ça, bah, on verra si c'est vrai.
Alors là, on est devant le musée qu'un particulier a fait sur Tolkien. Donc on va pas y aller parce que c'est quand même 50 balles d'entrée par personne. Et bah, du coup, on est juste devant. Je vais vous montrer un peu ça. Là, on voit que c'est le parking des visiteurs. Et après, là en bas, quoi. Et il y a son camion là. Donc sur le site on peut voir un peu ce qui se passe. Il y a vraiment des choses sympas. Donc voilà. Si jamais vous passez par là, ben, je vous encourage. Même si nous n'y a pas été.
Bonjour. Alors là, on vient d'arriver dans le parking de l'hôtel, normalement. Enfin, c'est un gros parking un peu général. Et j'ai trouvé une petite borne. Comme on peut voir là. Petite borne. Du coup, c'est avec mon câble qui était dans mon frunk. Donc, je suis content. Niveau consommation, tout ça, et ben je les ai pas. Enfin, je me suis branché et j'ai tout perdu. Enfin, on peut pas regarder en même temps. Mais on est arrivé à peu près à 30%. Et là, ça recharge pas très vite, donc on verra bien. Mais c'est max 2 heures de charge. Donc là, il me dit 3h45 pour les 80%. Donc on verra bien. Et puis sinon, on va rester là. Puis demain, on va partir à Saint-Gall, je crois. Je sais plus le planning. Et voilà. Demain, il y a vraiment plein de points, enfin, de poses à faire, enfin, de photos à faire. Ça va être une journée très chargée demain. Aujourd'hui, c'était un peu light. On a pu aller visiter le village de Heidi. On a été manger là-bas. Et puis voilà, une petite route tranquille. La météo, il y a un peu, la pluie s'est un peu calmée. Les paysages sont vraiment cool. Le Grison, c'est quand même très joli. Et puis là, on arrive au Liechtenstein. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. C'est vraiment comme la Suisse, sauf que c'est un autre pays. Qu'ils ont des plaques différentes, mais tout le reste, c'est la même chose, quoi. Ça, c'est marrant. Donc, voilà. Je referai peut-être. Je reprendrai de la caméra. Je pense que le. Comment dire ça? Les statistiques d'aujourd'hui au niveau de la consommation et tout ça, eh ben on le verra plutôt demain matin. Ah, plus de lumière. On le verra demain matin avant de partir. Mais j'étais de toute façon entre 10 et 11 kWh au 100, et puis les kilomètres, eh ben on les verra demain. On n'a pas fait beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à tout bientôt.